qui je suis une passionnée de tango, qui essaye de partager sa passion avec ses compatriotes linguistiques de tous les francophones de la planète, plus spécialement évidemment les Français, les Belges et les Suisses, parce que j'écris depuis la France et je tiens tous les jours presque un blog sur l'actualité du tango ici en Argentine, à Buenos Aires, à La Plata, à Rosario, et puis aussi en dehors de l'Argentine, en Uruguay, à Montevideo. Et je le fais en français sur un blog qui s'appelle Barrio de Tango, qui est donc le titre d'un des tangos, d'un des plus beaux tangos, d'Aníbal Troilo et Homero Marx. Et j'ai choisi ce titre parce qu'il y avait cette connexion formidable de quartier avec le tango. Tango raconte le quartier rencontre le tango et raconte le tango. Et Pichuco a fait un texte magnifique là-dessus, sur mon quartier. Je n'ai pas quitté mon quartier, parce que j'y retourne tout le temps. Et il est, quand on visite un peu la Basto, quand on se promène un peu dans ces rues-là, dans ce coin-là, il est là. Il est présent, on le sent, même s'il n'est plus là. Il est présent parce qu'il est présent sur des dessins sur les murs, sur des peintures, sur des plaques commémoratives. Il est présent partout. Et ça m'a beaucoup touchée la première fois que je suis venue à Buenos Aires. J'ai pas pu aller voir sa maison, je crois qu'elle était couverte par des palissades, mais j'ai vu cette présence des douanes,